une faucille, ça, c'est une faucille, pourquoi? C'est un enclume, pour moi c'est un enclume. Et la forme? Oh, la forme, ben, c'est une... Ça fait un croissant, hein, pour que ça accroche. Après... Et c'est une houlame ou une houlame, ça? Le houlame, c'est les toutes grandes faucilles, beaucoup plus grandes que celle-là. Celle-là, je lui en ai enlevé 5 ou 6 cm, là. Elle était fendue. On la voit encore fendue, là, au bout, là. Je l'ai recoupé, elle venait comme ça. Et les houlames, ils sont même plutôt plus grands. Ça, c'est fait pour... Les houlames, c'est fait pour moissonner. Alors, il n'y a pas beaucoup de... à couper, mais après il y a du volume. Alors il faut pouvoir prendre grand. La lavande c'est différent, on le prend à la poignée et il faut le tenir dans la main. Le problème est complètement différent. C'est pour ça qu'on prend, on prend des faucilles beaucoup plus petites pour la lavande, comme pour couper de l'herbe pour les lapins. Qui c'est qui n'a pas de muscaille? Toi. Un biscaille, vous savez ce que ça veut dire? Ça. Un gavotte. Comment ça s'appelle? Des bûches, des bûchettes. Des bûchettes? Des bûchettes, des petites bûches. Ouais, ouais. Des busquettes. Ah, d'accord. Une busque, c'est une brindille. C'est si ça. Veux. Ah ben, je savais pas. Et le biscaille, c'est pour ramasser des brindilles. Des brindilles. Ah, ouais, d'accord. Mais voilà, j'ai appris un truc pas mal. Et autrefois, c'était des vieux draps, c'était quoi? Hein? C'était des vieux draps, autrefois. Ça? Ouais. C'est de la toile de gîte. Mmh. J'avais un coupon de toile de gîte, là, j'en ai coupé deux hier, deux, trois. On peut le faire. Et autrefois, ils prenaient quoi, Robert, pour faire ça? Oh, pour faire les buscailles. Eh bien... Ils utilisaient souvent, nous ce qu'on a souvent utilisé, c'était les sacs. Les sacs de farine, de son. Voilà, ouais. Tout ce qui était grain, tout ce qui était grain et issu. Il y avait des magasins, des boutiques qui vendaient, c'était marqué grain et issu. Tout ce qui était déchets de meunerie, alimentation pour le bétail. Le sucre qui arrivait aussi en sac, des gros sacs comme ça là. Sac de 100 kilos, et ils étaient cousus sur le côté. Et voilà, ça c'était à peu près la taille d'un sac, là. Un poil plus petit peut-être. Ils étaient, d'un côté ils étaient ouverts, de là ils étaient cousus, le fond était cousu aussi, et il y avait juste une embouchure qui était recousue souvent après, ou alors fermée avec des ficelles. Et alors, on les décousait, ça faisait un carré de toile. Et ce carré de toile, souvent, il était réassemblé en morceaux plus grands. À Tourette, pour les olives, là, on récupérait tous les sacs qu'on pouvait trouver chez le boulanger et tout ça, et on les recousait ensemble pour faire des grands carrés de 4 ou 5 mètres de côté, pour étendre sous les oliviers. Vas-y, fais une explication. Au milieu de la touffe de la lavande, il peut y avoir des bâtons secs, des glandiers, de genêts, de... Et ces bâtons secs qui sont là, la faucille glisse dessus, et comme on a les doigts à proximité, c'est le doigt qui arrête. Ou pas. Après, bon, mais il faut regarder... Non, mais après, c'est surtout bien ramassé, et il ne faut pas... Si vous donnez un coup comme ça, à un moment ou un autre, vous le donnez sur le doigt, c'est sûr. Il ne faut pas frapper. Donc, il faut attraper et tirer. Thank you.
on... les premières pincées, on les prend comme ça. Et après, chacun a un peu sa manière. Enfin, moi, je retourne à la poignée et je continue à garnir ma main. Là. Il y en a qui, manifestement, on les sent avec des tiges courtes, d'autres avec des tiges longues. D'ailleurs, celle-là, si on les regarde, ça c'est plutôt une variété tige longue, alors que celle-là, manifestement, elle est variété tige courte. Et alors, c'est à ce niveau-là aussi que les phytothérapeutes, je vais chercher le mot, prétendent que c'est la meilleure essence qu'on puisse faire avec ça. Parce que finalement, on a tout. Dans l'essence de lavande, il y a, on estime 120 composants différents dans une goutte d'essence de lavande. Mais les composants, ils sont celle-là un peu plus riche du composant A, celle-là un peu plus riche du composant B, etc. Et en ramassant toutes ces populations, avec toutes ces variétés de différentes espèces, pas espèces, variétés, eh bien, on a le totem de ce que peut donner la lavande. Alors que dans de la lavande cultivée, on part d'un joli plant de lavande qu'on bouture, ou dont on sélectionne les graines, et on a un champ de lavande qui est à peu près homogène, mais on a une ou deux variétés, mais pas plus. Alors qu'ici, nous avons 15, 20, 30 variétés différentes. Et sur le plan médicinal, c'est le summum de ce qu'on peut trouver. Alors Ange, pourquoi tu as relancé la distillation ? Parce que la lavande, c'était une des activités qui ramenait de l'argent liquide essentiel pour les paysans du coin. Tu commençais les foins, une fois que tu avais fini les foins, tu faisais les moissons, et avant de fouler qu'il fallait que le blé sèche bien, il y a un temps libre et on ramassait les lavandes pour les parfumeries de Grasse, et ça amenait de l'argent liquide, chose que personne n'avait puisque on marchait tout au troc. Voilà, en gros pour ça, et on a dit, c'est quelque chose qui pour nous pouvait repartir. Enfin voilà, malgré qu'il y ait le lavandin qui a pris la place de la lavande fine. Là vous êtes devant l'appareillage. Alors en gros, vous avez ici l'alambic. L'en bas, c'est un foyer, et à l'intérieur, il y a un grand chaudron. Le grand chaudron, il descend à peu près jusque là. Il arrive à contenir 150 kg de lavande, bien tassé. Dessous, pour les besoins de la cause, on peut peut-être difficilement le voir, mais il y a un brûleur à gaz. Pour une simple raison de facilité, mais aussi de réglementation. Défense absolue, zone rouge, de faire la moindre étincelle à l'extérieur. Alors en enfermant le brûleur dans le fond du fourneau, on risque de ne pas aller en prison ce soir. Alors c'est un brûleur à gaz, un gros brûleur, qui chauffe le chaudron. Il faut, au fond du chaudron, pour mouiller la lavande et produire la vapeur d'eau, on doit y mettre l'équivalent de entre 80 et 100 litres d'eau. C'est-à-dire qu'il faudra mettre 100 litres d'eau parce qu'on risque de tout brûler. Et donc on chauffe l'eau qui est là-dedans. Par-dessus, il y a
la pipe, la cucurbite, qui est par terre là-bas, nous la poserons tout à l'heure. La cucurbite capte les vapeurs qui seront produites dans la chaudière, là. Les amène ici dans le refroidisseur, et qui est muni à l'intérieur d'un serpentin, lequel serpentin aboutit ici. Et c'est par là que va sortir le mélange eau et essence, huile essentielle de lavande. C'est la vapeur d'eau, qui est autour de 100 degrés, qui, par la chaleur, fait éclater les cellules du végétal, libère les molécules d'huile essentielle, et la vapeur qui s'échappe entraîne, c'est le véhicule qui va entraîner les molécules d'essence de lavande jusqu'à travers via la pipe et le serpentin, jusqu'à travers cet appareil, et là la vapeur se condense, donc l'eau, la vapeur devient liquide de l'eau. Qu'on récupérera tout à l'heure, ce sera l'eau florale, et bien entendu, surnageant sur cette eau florale, les quelques gouttes d'huile essentielle qu'on triera à partir de. Eh bien oui, il faudra qu'on aille le chercher, l'essentiel. On l'a caché parce que c'est fragile, et puis ça peut toujours faire un curieux envieux qui trouve l'objet assez amusant et qui l'emporte en souvenir. Alors, les petits bouchons, c'est pour contrarier les guêpes maçonnes qui risquent de venir construire leur nid dans le. Dès qu'elles voient un petit tuyau, un petit trou. Alors l'essentiel. Il a été construit par un adhérent de l'Écomusée, un ami de l'Écomusée, qui, je crois qu'il a été meilleur ouvrier de France en plomberie, ou quelque chose dans cette branche-là, quoi. Alors, il nous avait fabriqué ça. Et le principe est très simple. L'essence coule par en haut, là, dans l'entonnoir, à la sortie du refroidisseur. Elle arrive dans le bas elle arrive plutôt au milieu, de manière que ce mélange eau essence puisse se répartir dans le volume de la cruche là. Quand c'est plein, il faut que l'eau puisse s'évacuer et elle repart tout à fait d'en bas. Alors, dans ce volume-là, il y a un tri qui se fait. L'eau et l'huile, ça va pas ensemble, ça ne se mélange pas, donc ça trie facilement. Et alors, le niveau monte, l'huile finit par surnager au-dessus. L'eau qui continue à couler, un petit fil, mais ça continue à couler, il faut que ça s'évacue. Donc ça s'évacue par en bas ici, on récupère dans un seau, c'est l'eau florale. Et au fur et à mesure qu'il y a de l'essence, de l'huile essentielle qui se forme, eh bien le niveau de l'huile ici prend davantage de hauteur, le niveau de l'eau baisse, en baissant il fait sortir l'excédent d'eau par là, et on finit par avoir une certaine épaisseur d'huile essentielle. Alors pour récupérer l'huile essentielle, eh bien c'est pas compliqué, on bouche la sortie de l'eau ici. Donc le niveau monte, et en montant, l'huile qui surnage est obligée de sortir par ce bec, et il n'y a plus qu'à mettre une bouteille là pour la récupérer. C'est tout bête. Hein? Et le modèle de l'appareil, là, ça s'appelle en termes de parfumerie, un vase florentin. Thank you.
C'est lui que je voulais vous montrer. Alors c'est tout simplement une grille qui va au fond de l'alambic, avec des cales pour tenir une certaine hauteur. La lavande ne viendra bien s'appuyer là-dessus. Donc là-dessous, nous avons un gros 4 doigts d'eau. De manière que les pailles ne touchent pas le fond. Parce que si les pailles touchent le fond, comme il n'y a qu'une feuille de cuivre, le fond, ça n'arrive pas à répartir suffisamment la chaleur et la paille qui touche brûle. Alors pour éviter ça, il y a cette espèce de, on appelle le chapeau chinois, qu'on met au fond et qui préserve donc cet espace qui est plein d'eau et qui isole la paille du fond de l'alambic. Il ne faut pas oublier de le mettre. Alors ici, il y a une petite particularité. Et là, il faut reconnaître aussi l'astuce du constructeur. La marmite, la cucurbite, il faut qu'elle jointe avec le chaudron. Alors sur certains modèles, surtout quand on travaille avec de la pression, quand il y a des systèmes de distillation où, au lieu de faire bouillir de l'eau, ici en bas de la cuve, il y a une prise d'air, un tuyau qui amène à la vapeur d'une chaudière, et c'est carrément de la vapeur qui passe à travers la masse de la matière à distiller. Et dans ces cas-là, il faut que ça soit bien fermé, et on se retrouve avec un rebord et en général un joint et puis des vis qui servent tout autour pour que ça soit vraiment étanche. Là, nous avons dit qu'il n'y avait pas de pression tout à l'heure. Du moment qu'il n'y a pas de pression, l'essentiel c'est de faire en sorte que la vapeur ne puisse pas partir. Alors, ils ont construit autour du chaudron qui est ça, c'est ce diamètre. Ils ont construit cette collerette là, dans laquelle, là, vous l'avez vu tout à l'heure, le bord de la cucurbite s'enfonce. Et le rebord intérieur du chaudron là arrive au même niveau que le rebord de cette collerette.
Alors, entre les deux, plonge le bord de la cucurbite. Il n'y a plus qu'à remplir cet anneau de flotte. Et on a une étanchéité parfaite. Voilà. Pas plus difficile que ça.